Pourquoi avez-vous souhaité ce rendez-vous, Monsieur Brité? Voyez-vous, docteur, j'ai engagé une stagiaire pour ses formes généreuses. La petite ne veut pas remplir sa part de contrat. Et ça, ça mérite. Vous l'avez embauchée pour ses formes et pas pour ses compétences. Écoutez, le contrat entre elle et moi, il était très clair. Vous voyez, je l'embauche pour ses formes généreuses parce qu'elle n'a que le CEP. Et elle, à son tour, elle me donne le biscuit. Je donnerais bien une claque à ce gars. Je ne sais pas si c'est avec la main droite ou la main gauche pour qu'il comprenne que la femme, c'est autre chose qu'une pâtisserie. Bien sûr, le biscuit. En fait, pour vous, c'est du business, quoi. Ben exactement, docteur. C'est du business. Comment il arrive à échapper à votre intérêt, pourtant si flagrant? Le problème, c'est qu'on n'est jamais seul dans mon bureau. Ah oui, bien sûr. C'est vraiment embêtant, ça. Ben oui, c'est très embêtant. Vous savez, même quand j'arrive à la... Elle a coincé dans mon bureau. Mais la petite se met à grelotter comme un poulet malade. Sous prétexte que la climatisation est trop forte. Et même quand je prends la peine d'éteindre, elle s'évanouit. Du coup, elle a chaud. C'est pas tout, docteur. Je l'avais invitée un week-end à un ciné. Et dès que nous sommes arrivés dans la somptueuse chambre qui m'a coûté la peau des fesses, c'est à cet instant qu'elle m'annonce qu'elle est indisposée. J'ai pris même la peine de prolonger notre séjour jusqu'à 15 jours de plus. Mais les Anglais étaient encore là. Enfin, vous avez vérifié? Vous pensez que c'est des choses qu'on vérifie? Au point où vous en étiez? Même pour lui faire un bisou aussi. C'est assez compliqué parce qu'elle ne supporte aucun parfum que je porte. Ah, n'en portez plus alors. Je l'ai essayé, mais elle a prétexté que ma sueur l'étouffait. Peut-être que cette jeune dame n'a juste pas envie de se prostituer. De quelle prostitution vous parlez ? Un peu trop. Au point où j'ai envie d'en parler à ma femme pour qu'elle puisse me donner des conseils. Vous pensez pas? Je ne vous le conseille même pas.